Et yop les gars, c'est Nasty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Nocturne Clan, pompe plein plaisir les potos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous impatiemment. Je sais même pas si c'est français, je m'en bats les couilles les gars. On est là pour casser le cul de tout le monde. On explique comment réaliser des GP sur Call of Duty Modern Warfare sans faire de river boost. Si toi aussi derrière ton écran tu veux libérer des nucléaires sans forcément faire du river boost et sans te faire traiter d'enculé parce que tu fais du river boost alors que c'est pas vrai hein. Franchement les gars, si vous voulez tomber aussi comme nous contre des accueils de malades sur Modern Warfare les gars, je vous invite les gars à écouter cette vidéo les gars, et surtout à la partager à tous vos frérots et à tous vos potos les gars, si vous voulez planter des grosses séries et surtout planter des 4-5 de ratio facilement sur Call of Duty Modern Warfare. Alors les gars, il y a un mode de jeu sur Call of Duty qui est vraiment très important à connaître. Ce mode de jeu, c'est la capture de drapeau les gars. Alors ce mode de jeu, il va vous permettre de tout simplement réaliser des grosses performances, tout simplement pour tomber sur des grosses annonces que vous allez devoir faire. C'est simplement quitter des accueils, relancer plusieurs fois pendant une dizaine de minutes. Et à partir du moment, vous allez voir que vous allez tomber contre des noobs, des personnes qui ont des niveaux 40, niveaux 45, des niveaux 65, des niveaux 155, mais des fois vraiment avec des pseudos de random. Donc vous allez voir très bien que c'est des noobs. Et vous allez pouvoir simplement, vous allez juste arrêter, vous allez pouvoir planter des séries de 20, des nucléaires, des doubles nuques, et c'est vraiment ultra facile. Cette technique, elle est répétitive. Vous avez juste à relancer des salons, plus, des fois jusqu'à chercher des fois 15 minutes un accueil, des fois c'est relou, mais vous pouvez vraiment kiffer. Si vous êtes en groupe, vous pouvez faire durer une partie de capture de drapeau, dites-vous, vous pouvez faire durer la partie une quinzaine de minutes, voire une vingtaine de minutes, les gars. Si vous allez en prolongation, vous faites bien durer avec les drapeaux. C'est très important à connaître, cette technique-là, pour planter des gameplays, parce que tous les gros joueurs mettent les gameplays en capture de drapeau. De toute façon, beaucoup de gens connaissent la technique, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs américains qui ont fait la vidéo astuce, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, cette vidéo. Et elle est très importante de la souligner, c'est une vidéo qui est là, qui a pour but de vous aider à réaliser des nucléaires sur le jeu et à prendre du plaisir sur ce jeu. Il n'y a pas que la capture de drapeau bien évidemment pour mettre des GP, il y a aussi des gameplays, des modes de jeu, vous pouvez lancer dans tout style de mode de jeu. Après vous pouvez lancer dans le mode Hardad 24h sur 24, il y aura beaucoup de noobs parce que forcément tout le monde joue au mode de jeu à événement, et forcément il y a beaucoup plus de noobs dans ces modes de jeu là. Et là franchement dans le mode Hardad 24h sur 24, vous avez vraiment énormément de noobs. Vous pouvez relancer pendant peut-être une dizaine de minutes, vous allez tomber sur des salons incroyables. Et franchement honnêtement, personnellement, moi qui ai repris le jeu il n'y a pas longtemps, j'ai planté je crois 5 ou 6 nucléaires les gars, pour vous dire que c'est un truc de malade. Je l'ai repris il y a 2 jours et on plante vraiment énormément de nucléaires, et surtout on prend énormément de plaisir sur le jeu. Alors les gars, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne de la Nocturne Clan pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque sortie prochaine vidéo de la Nocturne Clan, et surtout à lâcher ton plus gros pouce bleu si cette astuce t'a plu les frérots. Au passage, le gameplay de fond les gars, c'est une nucléaire, donc une tactical nuque à la MP5 sur la map Shootout, réalisé par notre player Oreo les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est rentré il y a une semaine, mais c'est juste pour histoire de vous mettre un petit gameplay assez agressif les gars. Il y a des gens qui nous ont dit dans l'espace des commentaires que les gameplays étaient un petit peu trop longs, qu'on laissait un petit peu trop le gameplay, voilà. Donc je vous explique que la dernière vidéo, c'était un gameplay de base, donc c'était une triple nucléaire solo les gars, elle durait 11 minutes, donc on la cut à 7 minutes les gars. Vous comprenez bien que c'était un petit peu compliqué de cut trop, parce qu'après franchement on vous laisse les meilleurs moments du gameplay. Donc honnêtement, un cut de, quand tu passes d'une vidéo de 11 minutes de base à 7 minutes, c'est quand même déjà un cut assez assez bien fait, tu vois. Donc honnêtement là on va essayer de, là pour cette vidéo j'aurais même pas besoin de cut parce que mon commentary est assez long. Donc les gars, j'espère en tout cas que mon commentaire vous a plu, et si mon commentaire vous a plu, je vous invite à lâcher ton pouce bleu, vous connaissez le délire, et à vous abonner à la chaîne de la Nocturne Clan. Sinon, peace, lance, nasty.